baptisons le culte des plaintes. Frères, la Bible dit ceci. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, venez, plaidons ensemble. Let's plead together. Et ils deviendront blancs comme la neige. Like il dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, venez au culte des plaintes. Come to the service of complaints. Plaidez. Plead. Et vos péchés deviendront blancs and comme la neige. Sins become white like snow. Et la Bible explique the Bible explains qu'il y avait une femme qu'on appelait Anne. That there was a woman called Anna. Et cette femme that woman était mariée et sa coépouse s'appelait Penina. Elle était stérile. She was barren. Et puis, chaque fois qu'elle voulait envoyer l'enfant de sa coépouse, sa coépouse l'insultait qu'elle accouche là-bas. Et longtemps, elle a été molestée. Toute sa vie, c'était le pleur. Tout ce qu'elle voulait, c'était un enfant. All she wanted was a child. La Bible dit qu'un jour, elle est montée à Silo pour présenter sa plainte à Dieu. Elle a fait un vœu. Dieu, si tu me donnes un fils, if you give me a son, je vais te l'offrir. I will offer him to you. Elle a présenté sa plainte. She presented her et l'Éternel a exaucé. Lorsqu'un homme se plaint devant Dieu, when a man complains before God, il n'y a aucun autre tribunal qui peut encore répondre devant cette personne. C'est le plus haut tribunal, c'est la plus grande instance. Se plaindre devant Dieu, mon ami, ça veut dire que tu as fini le tableau. Maintenant, l'Éternel se souvient de nos cris. Il se souvient de nos plaintes. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Lève ta plainte à l'Éternel. Dès inna husela tiwa inna brosto. Et ce dehors, chacun sa plainte devant Dieu. Pelazi wa inhalo. Sumira idani faros. Manakerta wa in abromitali fli. Waraita utali mozari lo premita wa anaborazo kenate in inalosta bleperas inna abromi tulfurumi de in akrem. Seigneur, exauce ces plaintes. Seigneur, nous élevons nos plaintes devant toi. Nous élevons nos plaintes devant toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Père, Father, que ton sang touche ces plaintes. Amen. Que ton sang touche ces plaintes. Amen. Seigneur, que ces plaintes soient amenées. Amen. Jusqu'à l'autel qui est devant ton trône. Et soient consumées devant l'Éternel. Et que la fumée de ces plaintes, and the smoke of this qui est l'exaucement, descende sur nous du ciel. Dis amen comme quelqu'un qui croit. Je veux le silence, s'il vous plaît. Les anges sont ici dedans. Lève ta plainte. Lift up your complaint. Les anges sont en train d'emmener l'écriture vers le ciel maintenant. Angels are moving the writings to heaven. Père, Father, Père, merci pour tes anges, thanks for your angels qui emportent ces plaintes that carried his complaint et qui nous envoient l'exaucement du ciel. Send us answers for dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Chaque problème, every problem présenté dans cette plainte presented in this reçoit complaint sa solution. Amen. Reçoit l'exaucement. Amen. Chaque prière, chaque cri vers Dieu reçoit une visitation maintenant. Visitation. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Oh Père, oh Father, nettoie les larmes de ton peuple. Clean the tears of your people. Et rends justice de notre partie adverse. Dans le nom puissant et souverain de in Jésus. The mighty Amen name of Jesus. Que le feu may the fire de ton autel consume, from your altar consume ses plaintes et que l'exaucement ne vienne de ta part dans le nom puissant et souverain de Jésus Christ. Au nom souverain de Jésus Christ. Au nom souverain de Jésus Christ. Amen. Jai Rabuni Malota Man Raklata wa ina o plas potei Sovlei ma adei Notel ma o talfo Soplamerazo paros men au karef lei. La ma in axolomita in frozei. Rabana o aliti wa ines promi. Que le feu quitte de ton autel pour consumer tous ces sujets de prière, mon Dieu. Père, je t'en prie, au nom de Jésus, toi qui m'as dit en vision, en 2005, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Père,
Père, Father, que le feu let the fire qui est sur l'autel qui est devant ton trône on the altar before your throne, vienne consumer ces sujets de prière maintenant. Consume these prayer points now. Feu fire de Dieu of God, consume ces sujets consume these prayers, afin que l'exaucement nous soit envoyé du ciel to us from au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Père, je prie Father, I pray que ton feu descende may your fire come et consume ces sujets de prière maintenant. Consume these prayer points afin now, que nos vies et nos familles for our lives and soient consacrées à l'Éternel. Be consecrated to afin the que Lord, le nom de l'Éternel for the name of soit the Lord, invoqué sur nous et sur nos enfants. On us and dans our le nom précieux et souverain de Jésus. Precious and sovereign name. Gloire à Jésus. Glory to ben Jesus. Merci pour ton feu. Thanks for your merci fire pour l'exaucement. Thanks for the au nom answer puissant de Jésus. In the mighty name of que Jesus. L'Éternel nettoie les larmes de tes may yeux. May the Lord wipe the tears from your eyes. Que l'Éternel nettoie les larmes de ta famille. May the Lord cleanse the tears of your family. Qu'il mette fin au règne des méchants. Que le feu de son autel purifie ta vie et ta famille. The fire from his altar purify your life and family. De toutes les œuvres et pratiques from every work and sataniques, diaboliques, demonic, acte de sorcellerie, act of witchcraft, de toute forme de blocage, every form of blocking, de maléfisme, evil doing, au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Puissance de Dieu. Power of God. Manifeste sa gloire. Manifest your glory. Brise nos chaînes. Break our chains. Que les captifs soient libérés. May the captives be que les malades soient guéris. May the sick be healed. Que les aveugles voient. May the blind que see. Les sourds entendent. May the deaf hear. Que les muets parlent. May the dumb que speak. Les paralytiques marchent. May the paralyzed walk. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que la saison de joie may the season of joy revienne. Come back. Que la saison de paix may the season of peace revienne. Come back. Que la saison de la prospérité may the season of prosperity revienne. Come back. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Merci pour ta gloire manifestée. Thanks for your glory manifested. Au nom du Père. In the name au nom of the du Father, Fils. In the name au nom of du Son, Saint-Esprit. And of the Holy Spirit. Nos sujets sont exaucés. Bénis le Seigneur. Vous venez de la Guinée équatoriale. You come from Equatorial. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? On a opéré des fibromes, mais maintenant il n'a pas la récupération. Il n'a pas? La récupération. Il n'y a pas la respiration. Récupération. Récupération. Uh-huh. Ça fait combien de temps qu'on l'a opéré? Un mois. Un mois? Oui. Et elle n'a pas la récupération, ça veut dire quoi? Parce que l'attaque, on a l'attaque diabolique. Tú puedes expresarte en español. Voy a comprenderte. Gracias. Uh-huh. Estamos teniendo ataques satánicos. Ella no recupera. Por la noche está con muchos movimientos que no son normales. Y después, hace ya dos días, estuvimos orando en casa y un mal espíritu estaba diciendo que él está destruyendo la matriz. Que no va a recuperar. Por eso. ¿Ah? ¿Quién lo dice? Ah. Estuvimos orando en casa. ¿El espíritu habla en ella? Sí, decía que le está destruyendo la matriz y que no va a recuperar. Ok, no hay problema. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y tu Salvador? Sí. ¿Crees? Sí. Ok, voy a pedir Dios ahora. Y yo creo también que nuestro Dios y Padre va a curarte ahora, no mañana, pero ahora, en el nombre de Jesús Cristo. Tu esprit malin, je t'ordonne de sortir. Mais cette femme et son mari ont voyagé la Guinée équatoriale pour le Cameroun. J'ordonne qu'elle soit délivrée à cause de ce sacrifice. Amen.
Satan, que le Seigneur te réprime. Satan, may the Lord rebuke you. Que le Seigneur te réprime. May the Lord rebuke you. Que le Seigneur te réprime. May the Lord rebuke you. Dans le nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. J'ordonne que cette blessure guérisse. I command this wound. Maman, reçois la force maintenant. Mom, receive strength now. Que le souffle du Saint-Esprit entre en toi maintenant. Amen. En le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Anda. Amen. Si quelqu'un n'acclame pas Jésus, c'est que quelque chose ne va pas de lui. Maman, vous êtes contente? Are you happy? Est-ce que vous êtes contente? Si. Pourquoi happy? Vous êtes contente? Why are you happy? Porque yo estoy caminando. Oh, elle dit parce qu'elle marche. Elle est venue paralysée de Guinée équatoriale après l'opération. Un démon parla en elle que tu ne marcheras plus jamais. Toi, c'est fini. Mais elle retourne en marchant chez elle, dans son pays. Est-ce que Jésus n'est pas bon? Est-ce que Jésus n'est pas bon? Que ton miracle soit accompli au nom souverain de Jésus. D'accord. Il a dit qu'il va vous épouser. Oui. Il a dit qu'il va vous épouser. Oui, papa. Venez. Vous connaissez un gars qu'on appelle Aliou. Aliou. Tu n'es pas encore Aliou. Oui. Il vous aimait. Oui, il m'aimait. Mais il était avec une autre. Bon, on s'est séparés. Vous êtes séparés à cause de l'autre là. Vous êtes séparés à cause de l'autre. Il avait une femme. Et il a fait l'enfant avec cette femme. Depuis, il ne m'appelait plus. Bon, on s'est séparés. Est-ce que vous l'aimiez? Je l'aimais bien, mais on s'était séparés. Vous êtes séparés. You separated. D'accord, je vous dis quelque chose. I want to tell you something. Alors nous sommes en train de parler. Il s'est séparé de la femme. He separated with that woman. Il est en train de vous chercher. Je vais vous faire une cartographie prophétique sur vous. I want to make a prophetic cartographie. Oui, papa. Je vais utiliser le GPS prophétique pour vous dire ce qui se passe autour de vous. To say what is happening. Aliou vous aimait. Aliou loves you. Il s'est retrouvé dans une histoire. En réalité, quelque chose s'est passé. Il vous a expliqué quelque chose que vous n'avez pas voulu comprendre, yes, en fait. Il vous a dit, quand vous avez découvert ce qui s'est passé, quand vous avez découvert ce qui s'est passé, il s'est expliqué. Mais vous n'avez pas voulu comprendre l'explication qu'il vous a donnée. En fait, le problème, c'est qu'il vous a expliqué que la femme lui a tendu un piège. Il ne voulait pas avoir d'enfant. Elle était en période, c'est ce qu'il vous a dit. Qu'elle était en période, mais elle ne lui a pas dit. Et que le jour où il devrait avoir
de rapport sexuel, il lui a demandé, j'espère que ce n'est pas ta période. Et la femme a dit, non, ce n'est pas ma période. Et qu'il était étonné que la femme l'appelle pour lui dire, après, qu'elle était enceinte de lui. Vérité. C'est ce qu'il vous a expliqué. Vérité, papa. Mais vous n'avez pas voulu expliquer, vous n'avez pas voulu comprendre ce qu'il vous a dit. Vous vous êtes appuyé sur le message que la femme lui a envoyé dans son téléphone. Parce qu'il avait un téléphone Nokia. Et vous avez vu dans le téléphone Nokia le message que la femme lui avait envoyé. C'est ça. Ce qu'il vous a dit était vrai. What told you was true. Ce n'était pas un mauvais garçon. Il vous aimait sincèrement. Sincèrely. Et ce qui s'est passé avec la femme est vrai. What's happened with the woman is true. Ça veut dire que la femme lui a tendu un piège, il est tombé. Et puis c'est retrouvé. Mais il vous aimait. Alors où je suis en train de vous parler, Alors il est en train de penser à vous. Il pense à vous et il va vous rencontrer. And he wants to see vous vous croiserez. You will encounter yourself. Amen. Ça vous venez. Amen. J'ai dit quoi? Voilà. Vous croiserez. You will meet yourself. Vous croiserez. You will meet yourself. À l'époque où vous étiez avec Aliou, vous aviez une puce Nextel. You have a Nextel. Il y avait une puce Nextel que vous aviez. Oui, papa. Vous avez une puce Nextel. Oui, papa. Il y avait une puce Nextel. Oui, papa. Mais le numéro était bizarre. But the number was a type. Votre puce là, vous vous souvenez du numéro? Do you remember the number? Je me souviens plus. Je peux vous rappeler. Merci, votre bus Nextel. Le numéro c'était 666. 666. 01. 01. 44. 44. Oui, c'est vrai. C'est vrai, papa, c'est vrai. Tu oublies ton numéro, nous allons rappeler pour le Saint-Esprit. Nous voulons consacrer nos familles à Dieu d'abord. La Mata Maros Mina Orazo. Tous ceux qui se sont préparés avec leur famille pour consacrer leur famille à l'Éternel, s'il vous plaît, je veux prier avec eux. Sela miwa inna mateta marosa belasa samate iwa in hello miwa in agro supreme tan saban rote in finish wates pari kanasa wa anau dalazo au nom souverain de Jésus. In the precious name of Jesus. Lève ton offrande vers l'autel ici. Here. Père, je prie au nom souverain de Jésus. Father, I pray in Jesus. Il est écrit, me voici moi et ma maison. It is written, here I am, il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je prie au nom puissant de Jésus. In the mighty name accepte ces offrandes qui offering, ne représentent rien that represents par rapport à ce que tu nous as donné. What you give oh us. Dieu, oh God, nous voulons t'aimer. Tous les jours de notre vie, nous voulons t'appartenir au nom de Jésus. C'est pour cela que par cette offrande, nous prions que tu acceptes d'être toujours notre Dieu, le Dieu de nos familles, pour nous garder du mal, pour nous préserver dans le nom précieux et souverain de Jésus. Seigneur, qu'une alliance éternelle entre toi et nos familles, entre toi et nos enfants après nous, puisse être établie en ce jour. Nous craindrons le nom de l'Éternel et nous marcherons dans les voies droites de notre Dieu. Seigneur, donne-nous des cœurs nouveaux pour obéir à ta parole. Que ton esprit nous sanctifie pour te plaire dans tout ce que nous faisons. À toi la louange et la gloire, l'honneur et la force, la domination et la dignité, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Père, je prie sur cette eau que par l'aspersion de cette eau, une nouvelle saison entre dans nos vies, au nom puissant et souverain de Jésus. Par cette eau ointe, que toute malédiction soit lavée. Toutes les maladies qui règnent dans nos familles soient lavées. Que la pauvreté qui règne dans nos maisons soit lavée.
Que le célibat soit lavé de nos maisons et de nos familles au nom de Jésus. Que l'œuvre de la sorcellerie soit emportée. Pas de grand bruit et de grand fracas. Comme les vagues d'un océan affolé. Que cette eau devienne un océan puissant. Qui emportera l'ennemi avec toutes ses pratiques maléfiques. Au nom de Jésus. Que cette eau devienne un océan puissant. Qui coulera dans nos villages. Pour déraciner les hôtels des sorciers. Pour déraciner les arbres maléfiques qui ont parlé contre nos vies et nos familles. Que le mystère de la délivrance et de la puissance de l'eau qui coule des côtes de Christ sur la croix descende dans cette bassine maintenant. Au nom souverain de Jésus. Par le ministère de l'eau, tu as délivré Israël de la maison de la servitude et tu as noyé Pharaon et son armée dans l'eau. Par le mystère de l'eau, Seigneur, tu as récupéré ta richesse que le poisson avait avalée. Tu as dominé les principautés et les autorités. Et ta parole dit, il n'est pas seulement venu avec du sang, mais aussi avec de l'eau. Je prie que l'eau qui sort de tes côtes délivre ton peuple ce matin. Que les deux soient unis, l'eau et le sang. Que les trois agissent. L'eau, l'esprit et le sang au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu m'as exaucé. Par cette aspersion, nous changeons de dimension. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.